Les gars, on va run le chain. Bon, aujourd'hui c'est vite parce qu'on est le 21. Du coup, le 21 c'est que pour la presse, mais demain ça va être blindé, je pense. Donc voilà, les gars, on est arrivé au stand Samsung. C'est juste magnifique. Voilà, Samsung. Et regardez-moi, et surtout, c'est pas vous montrer que celui-là, les gars, c'est juste un kiff total. Les gars, regardez-moi la taille de l'écran, s'il vous plaît. Le truc qui fait ma taille, il est juste incroyable. Étant donné tout le bruit de fond, donc je préfère parler au-dessus. Donc ce que je disais avec la team, c'est qu'on a l'habitude de jouer sur des double écrans, des triple écrans. Mais bon, vous savez, il y a des barres entre les écrans, vu que c'est pas des écrans collés. Il y a des barres qui gênent. Donc ce qui est bien sur ces écrans, c'est qu'on n'a pas de barres qui gênent et on est vraiment sur du full screen. Ensuite, ce qui est bien aussi sur cet écran, c'est que vous pouvez brancher votre téléphone donc avec l'adaptateur HDMI. Donc par exemple, s'il y a des gens qui jouent sur téléphone ou qui veulent regarder des choses sur leur téléphone, bah, vous pouvez brancher votre téléphone. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui sont intéressés par tous les écrans que je présenterai dans cette vidéo, le lien se trouve en description. Vous avez moins 20% sur tous les écrans Samsung jusqu'au 30 septembre. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la suite de la vidéo. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pu vlogger là-bas. Donc c'est parti les gars, go! La vue qu'on a, regardez s'il vous plaît. Qui n'aimerait pas voir ça dans la rue, dans sa chambre, quoi, dans sa setup. Moi en tout cas, je pense que je vais en prendre un parce que c'est incroyable. Je dis pas ça parce que la vue est sponsorisée, je dis juste ça parce que c'est juste magnifique. D'habitude nous quand on joue sur un triple écran, avec vous avez vu la setup de la salle, il y a des barres, vous savez, il y a des barres, c'est trois écrans séparés. Et là, il n'y a rien qui est séparé. En gros, c'est un écran géant, c'est magnifique. Voilà, donc on va passer au prochain écran. Il est pas mal aussi, je vous le dis. C'est une chaise, c'est un écran mélangé. Alors vous allez voir le truc, c'est un délire. Donc là, encore là, tout à l'heure, on a joué sur cet écran là-bas, tu peux montrer. On a joué à un jeu d'aventure. Encore là, jouer à un jeu de voiture, c'est incroyable. Imaginez GTA là-dessus. Imaginez juste le truc. C'est magnifique. Je vais tester ça, les gars. Les gars, regardez, vraiment, on voit tout. Tu vois tout. Tu vois le paysage, tu vois tout ce qu'il y a autour. C'est juste magnifique. Honnêtement, j'avais jamais joué sur un écran comme ça. Et je peux vous dire que ça fait la différence. Voilà, très bon. Là, on joue à ce jeu. Et vous pouvez mettre n'importe quel jeu, c'est compatible avec vraiment tout. Et voilà. Donc là, on va passer cette fois-ci à la chaise. Qui se trouve juste là-bas. Ça, c'est la chaise qui se trouve juste là-bas. Et la tester juste après. Et voilà, donc là, c'est les écrans. Ensuite, ici, on a tous les téléphones. Voilà. Je vous montre un peu le stand. Vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, ici, on a les petits. Amazing. Voilà. Les gens sont. La plupart des gens qui jouent sur cet écran pour la première fois sont choqués. Interdit de danser pour les vrais. C'est une bonne Fortnite. Bon, les gars, du coup, là, un mélange entre l'écran qu'on a vu tout à l'heure là-bas et une chaise gaming. Ça donne ça. Je vais tester les gars, bon bah, le cameraman va me finir, on va pas parler en même temps parce qu'il y a plein mal de bruit autour. Mais je vous ferai un petit brief après pour vous dire comment c'est et tout. Ah oui. Ah ouais. Voilà, s'il vous plaît. Tu peux avoir un thé? Un petit thé, puis. Là tu peux mettre ta voiture. Si jamais tu peux mettre un petit coup de
est posé. On est couché, là tu peux le redresser. Il y a un pad. Ici on a les... Pour réguler les trucs. Il y a une fond de chaîne là. Like this and like this. Donc je réglais un peu la hauteur de l'écran. Et franchement, c'est magnifique. Je vais garder les gars, bonne nuit. I'm going to sleep. On passe maintenant au dernier écran pour ceux qui préfèrent les écrans plus petits incurvés. Donc vous voyez la taille, ça n'a rien à voir avec les deux autres que je vous ai présentés avant. Donc celui-ci les gars, on est sur du WQHD. Donc la qualité de l'écran, c'est du WQHD. Ça n'a rien à voir avec la Full HD, donc je vous montre une comparaison des deux. Donc en gros, le WQHD, c'est 1,7 fois plus supérieur au Full HD. Et en fait, c'est, vous voyez la différence, c'est incroyable. Donc là on est sur du 144Hz, ce qui fait que l'écran il est largement plus rapide au niveau du rafraîchissement. Donc nous avec la team on a que des écrans 144Hz, donc là vous avez du 144Hz aussi. On passe maintenant les gars à la deuxième partie du vlog où je vous montre un peu tous les stands que j'ai pu faire à la Gamescom. Donc voilà, il y a pas mal de stands que j'ai fait. Donc voilà, je remercie encore une fois Samsung pour cette invitation. Donc vous retrouverez les liens des écrans si jamais vous êtes intéressé en description. Et donc c'est parti. Donc on va aller tester bah, du coup d'autres jeux. Alors aujourd'hui alors c'est Ubisoft, Deep Silver et Xbox. On va voir ce que ça donne les gars. Puis voilà, on se retrouve tout de suite les gars. Voilà, là c'est l'entrée publique. Je peux vous dire qu'il y a du monde, mais abusé. C'est blindé de chez blindé. Honnêtement, la Paris Games Week c'est vraiment petit par rapport à la Gamescom. Bon enfin voilà, du coup, tout de suite. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé.
En tout cas, franchement, moi, j'ai kiffé ce petit séjour à la Gamescom. Je remercie tous les babouins qui sont venus me voir à la Gamescom, qui sont venus me voir jusqu'à la Gamescom. Il y avait pas mal de personnes qui m'attendaient justement au stand Samsung, vu que j'y étais, et j'avais mis ça sur Snap et tout. Donc voilà, je vous remercie tous ceux qui sont venus. J'avais pris des cartes dédicacées exprès pour vous en donner. Comme ça, vous n'êtes pas venus pour rien, vous en repartez avec une carte dédicacée. Voilà, merci Samsung pour cette invitation, parce que franchement, sans vous, j'aurais pas pu faire la Gamescom. C'est vrai que c'était une première pour moi, la Gamescom. Je suis allé à la Paris Games plusieurs fois, mais la Gamescom, j'avais jamais fait, l'E3 aussi. Et donc là, c'était ma première Gamescom. Merci à Samsung, merci à tous les babans qui sont venus me voir, et j'espère que vous avez kiffé. J'essaie de vous faire un maximum d'images pour que vous soyez dedans, en fait. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo, et moi, je vous dis bye!